Merci à toutes. Si vous êtes là, c'est que vous êtes d'accord avec moi et que vous ne voulez plus gaspiller. Suivez-moi. Nous savons tous qu'en ce moment, pour cette période difficile de coronavirus, nous sommes en pénurie de papier. Pour ma part, je vous avoue que j'ai toujours utilisé des bouteilles d'eau pour me laver. Mes toilettes, malheureusement, ne sont pas équipées de douchettes, ce qui est regrettable. J'ai décidé de me lancer et de l'installer. Aujourd'hui sur le marché, vous pouvez trouver des kits complets. Je ne vous ferai aucune pub, à vous de choisir celle qui vous conviendra. Si vous prenez le temps de lire, vous avez donc le contenu du kit et vous avez ici l'explication de montage. D'après ce que je vois, c'est vraiment très facile. Sachez que la douchette, c'est quelque chose d'indispensable pour l'hygiène intime et aussi pour le nettoyage des WC. Ensemble, nous allons fixer cette douchette. Aujourd'hui, je vais dire adieu à mes bouteilles, que j'avoue, malgré tout, elles m'ont rendu bien service. On est parti. Dévisser l'ancien robinet. Alors, c'est simple, avec des mouvements du haut en bas. Alors, surtout, mettez bien une serviette ou une serpillière pour récupérer l'eau qui éventuellement risque de couler. Retirez votre robinet, placez votre joint, remettre le robinet en l'ayant retourné et le placer sur l'arrivée ici de la cuvette. Vous allez visser, commencez avec les doigts, c'est plus pratique, et vous allez finaliser toujours avec votre clé plate. Vous allez prendre la vanne d'arrêt, celle où il y a la petite poignée de robinet. C'est celui-ci que vous allez mettre sur votre tuyau. N'oubliez pas le petit joint indispensable. Positionnez votre vanne d'arrêt, vissez, remettez-la dans ce sens afin de pouvoir positionner cette sortie avec le robinet. Et vous n'aurez plus, bien sûr, qu'à bien placer et à serrer. Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés. Passons maintenant au tuyau. Vous allez constater que votre tuyau a deux embouts. Prenez le plus petit. Toujours le joint, très important, ne pas oublier, placez votre joint. Et positionnez le tuyau à la sortie que vous avez ici. Donc là, il n'y a aucun risque puisque c'est la dernière sortie. Et vous allez serrer. Voilà. Et vous venez finaliser en serrant avec la clé plate numéro 19. Faites une dernière vérification. Contrôlez si vous avez bien serré tous les boulons. Et maintenant, nous allons passer à l'autre bout du tuyau. Et vous allez prendre le joint qui correspond. Bien sûr, vous avez remarqué qu'il y avait deux joints, deux petits joints rouges qu'on avait positionnés ici et ici. Et celui-ci qui est de diamètre plus grand va convenir, bien sûr, au bout du tuyau. Votre joint bien positionné, vous prenez la pomme ou la douchette, appelez ça comme vous voulez, le bout, vous venez le placer sur le tuyau et vous procédez de la même manière en serrant. Vous allez fixer votre douchette. L'emplacement de la douchette dépendra bien sûr de vous. La fixation finale sur le mur restera votre décision, à droite ou à gauche. Ce qui est important, c'est une fois que vous avez trouvé le sens, trouver la hauteur idéale. Vous avez tracé aussi, vous faites les trous, placez les vis et serrez. Votre douchette est prête.
Je vous avoue que j'étais comme vous, assez inquiète du montage, mais je vous assure que c'est très facile. Alors, en attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!